réalisation de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration de Marcel Broquet, la nouvelle édition. 50 ans de succès dans le livre. Bonne émission. À l'émission Au cœur des lettres cette semaine, je reçois l'auteur prolifique Ugo Monticone. Bonjour Monsieur Monticone. Bonjour Madame Pipard, ça va bien? Oui, ça va bien. J'ai osé le terme prolifique parce qu'en fait vous êtes tout jeune et je vois dans votre biographie que vous avez déjà commis 7 livres en 6 ans. Oui, exactement. J'écris très très rapidement, mais peut-être parce que justement j'étais jeune, j'avais moins de responsabilités, moins d'occupation de temps externe à l'écriture, donc je pouvais vraiment me concentrer dans l'écriture. Maintenant que je suis plus vieux, je me rends compte que c'est plus difficile de retrouver la bulle de calme où je pouvais vraiment écrire. Là, je suis moins prolifique présentement. Oui. Alors, comment avez-vous commencé à écrire? Parce que votre premier livre s'appelle « Chronique de ma résurrection ». C'est assez sérieux pour un jeune. Vous aviez quel âge à l'époque? Une vingtaine d'années? Oui, 22 ans exactement. Mais bien, c'est tout de suite à la suite de mes études. Moi, je planifiais pas écrire. J'écrivais pour moi-même dans ma chambre. J'écrivais des lettres. J'aimais l'écriture, mais pas pour en faire un métier. C'est surtout à la suite de mes études, quand il était temps d'intégrer le marché du travail, je me suis payé un voyage juste avant d'intégrer le marché du travail, là, juste pour mettre les choses en perspective. Je vous arrête un petit peu. Uh-oh. Qu'est-ce que vous avez étudié? J'ai étudié en communication. En communication. Oui, c'est ça. OK, on n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin, mais en fait, j'ai eu un parcours sinueux parce qu'au cégep, je m'en allais en comptabilité. Là, après, j'avais commencé en sciences pures, comptabilité, là, qu'est-ce que j'aime. Finalement, je me suis rendu compte que j'aimais l'écriture, j'aimais le monde des arts, je voulais faire des relations de presse. Mais j'avais fait un stage à Juste pour rire, le festival Juste pour rire, et je me suis rendu compte que ce domaine de travail-là était complètement fou. C'est des gens qui travaillaient des 70 heures par semaine. Ouais, je peux vous dire que vous n'avez pas eu le meilleur stage parce que c'est vraiment réputé d'être très, très, très difficile très Juste difficile. Pour rire. D'ailleurs, moi-même, personnellement, juste pour la petite histoire, j'ai refusé un contrat, je sais. Ah oui? Mais ils demandaient que les gens soient là 24 heures sur 24, qu'on porte des boîtes. Mais enfin, bon, tout ça pour revenir. Puis, moi, c'était un stage bénévole en plus. Ouais. Donc le domaine des communications, c'est pas trop loin de l'écriture quand même. Non, exactement. Et pourtant, il me semble que j'ai lu entre les lignes que vous aviez une espèce de ras-le-bol. Là, vous dites ça gentiment, hein. Je vais remettre les choses en perspective. Mais est-ce que c'était vraiment le cas? Bien, c'est surtout que mon employeur, en fait, c'est ma patronne, venait d'avoir un enfant et elle travaillait jour, soir, fin de semaine. Et je me suis dit, si je continue dans ce domaine-là et si j'ai du succès, parce que c'est quand même une propriétaire d'entreprise, je vais être dans ce moule-là. Alors là, ça m'a fait me remettre en question beaucoup. Et c'est pour ça que je suis parti. J'avais l'argent pour durer environ 2 semaines dans l'Ouest canadien. J'ai acheté un billet, aller seulement. Je me suis dit, je vais me débrouiller pour revenir. Mais finalement, quand je suis parvenu à l'Ouest canadien, j'ai vu les paysages, j'ai vu la nature, j'ai vu les gens aussi qui étaient là. J'ai dit, ah non, je dois rester ici plus longtemps. Ouais. Je me suis débrouillé, j'ai trouvé un emploi et finalement, je suis resté 5 mois dans l'Ouest canadien. J'ai fait le tour. C'est comme ça que j'écrivais. Dans le fond, j'écrivais pour moi-même. J'avais un cahier spiral, des feuilles lignées. Et à chaque soir, je me donnais la discipline d'écrire ma journée avant de m'endormir. Et tout ça pour dire que finalement, à la fin de mon voyage, un ami qui m'a donné un livre qui a marqué ma vie, c'est « Sur la route » de Jack Kerouac. Il raconte son voyage de tous les jours, qui est un voyage exceptionnel, mais quand même, moi, je me suis retourné vers mon cahier spiral. J'ai dit « ben moi aussi, je pense que j'ai de la matière à ça ». Ça m'a donné de l'énergie. Évidemment, je l'ai retravaillé beaucoup parce que notre journal intime, c'est devenu un récit de voyage, mais ça a été publié comme mon premier livre. Mais le titre « Chronique d'une résurrection » fait quand même référence à une espèce de petite mort, non? Oui, exactement. Une meilleure joie de vivre, c'est ça que vous vouliez dire? Je me sentais un petit peu mort-vivant avant. Okay. J'avais l'impression d'avoir poursuivi mes études un peu comme un robot sur le pilote automatique, sans nécessairement savoir ce que j'aimais, ce que je voulais. Et pendant ce voyage-là, soudainement, je me suis senti en vie. J'ai senti plus ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Et de là, la résurrection que j'ai sentie, en fait. C'est quand même un mot très sérieux. Oui. Mais c'est vrai que quand on a une vingtaine d'années, c'est assez difficile de savoir dans quoi est-ce qu'on sera vraiment bien sans avoir testé la machine, comme on dit, surtout en communication. Ils nous demandent de choisir un métier très tôt, là, avec les tests d'orienteurs. Et moi, je me rappelle, j'avais rempli le questionnaire là, avec les gros ordinateurs et ils m'avaient donné comme résultat clown, prêtre ou pilote d'avion.
Ah, c'est pas mal, mais c'est varié quand même. Ça m'avait surpris que les trois prenaient des qualités similaires, en fait. Là. Mais je n'ai aucun des trois, finalement. Oui, c'est ça. Alors, vous, en fait, vous êtes d'origine italienne. En fait, vous êtes québécois, vous êtes né ici au Québec, mais votre père a une histoire un peu particulière. Hein? Vous me disiez qu'il était prêtre. Oui, oui. Il a suivi. En fait, ils habitaient sur une ferme et lui, il avait seulement le choix de travailler sur la ferme ou d'étudier pour devenir prêtre. Il est devenu prêtre et en échange de prêtrise, il y a eu un échange avec le Québec et il s'est retrouvé ici en plein milieu de la Révolution tranquille où beaucoup de gens défroquaient au Québec. Donc, il s'est rendu compte qu'il y avait cette possibilité-là et c'est comme ça qu'il a poursuivi sa vie hors de la religion, en fait. Alors, vous êtes le produit d'une personne qui a goûté à la liberté, à l'aventure. Exactement. Que vous pensez que ça vient de là, votre désir de voyage? Parce qu'en fait, on disait tout à l'heure que vous avez écrit 7 livres et ce sont... pour la plupart, je pense, en fait, des livres qui ont référence au voyage. Donc, vous avez eu la piqûre du voyage. C'est une très bonne question, parce que justement, mon père, lui, est devenu enseignant une fois qu'il a lâché la prêtrise. Et toute sa famille était encore en Italie. Donc, à chaque été, il retournait voir sa famille, il m'apportait là. Puis c'est là que j'ai vraiment goûté au goût du voyage et aussi à l'envie de découvrir, parce que quand j'étais en voyage en Italie, j'étais dans ma propre famille, j'avais mes cousins, des gens qui étaient reliés à moi par le sang, on était de la même famille, qui pourtant avaient des convictions, des croyances, puis un mode de vie totalement différent. Ils habitaient sur une ferme, produisaient du vin, mais étaient très religieux, allaient à l'église. Et même une fois, je me rappelle, j'étais dans mon adolescence, à 16 ans, mon cousin qui avait mon âge, je m'entendais très bien avec lui, puis lui il me dit, mais c'est vrai que tu vas pas à l'église, comment tu vas faire pour aller au paradis si tu te confesses pas? Puis moi, sans vouloir remettre en question son mode de pensée, au moins j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs façons de voir la vie, plusieurs façons de définir le bonheur, puis ça m'a donné le goût d'aller encore plus loin puis de découvrir d'autres façons de voir ce bonheur-là, dans le fond. Quelle est la plus grande leçon, en fait, que vous avez retirée de votre premier voyage? Je pense que c'est le sentiment de liberté puis de le droit de choisir. Le droit de choisir puis de faire confiance au destin. En fait, souvent les gens me disent moi je serais pas capable de faire ce que tu as fait, j'aurais peur, mais on arrive toujours à se débrouiller puis toujours mes voyages m'apportaient dans des endroits qui sont moins familiers, de cultures plus différentes, puis pourtant même sans avoir réservé aucun hôtel, sans comprendre la langue, en ayant très peu d'argent, j'arrivais toujours à me débrouiller, puis au contraire, c'est encore plus enrichissant quand on se débrouille sur place, parce que justement, c'est là qu'on est en contact avec les gens de la place qui nous accueillent. Souvent, j'ai été hébergé, nourri par des familles, donc c'était un contact privilégié qui me rendait riche, dans le fond. Et puis, ça nous renvoie à notre propre image et on est vraiment confronté à nous-mêmes. D'ailleurs, il y a une phrase que vous nous avez fait parvenir qui disait « Tenter de toujours se placer au centre de l'extraordinaire est un travail en soi le plus merveilleux qui soit. » Ouais, ouais. C'est un petit peu votre quête. Oui, c'est d'essayer de trouver... j'aime beaucoup les humains, mais aussi les endroits, les cultures, les perspectives. Je pense que de se mettre dans des endroits qui nous déboussolent un peu, qui nous sortent de nos repères, c'est là qu'on maximise nos capacités, c'est là qu'on apprend. Moi, j'aime être comme une éponge en voyage, puis me gorger de tout ce qui m'entoure. Mesdames et messieurs, revenez-nous dans un instant pour mon invité Ugo Monticoli. Seul le présent importe. Un présent merveilleux est synonyme d'un futur merveilleux, car le futur devient immanquablement le présent. Maintenant est le seul moment qui compte. Je veux rien savoir quand j'entends ça. Il y a tellement de façons d'apprendre aujourd'hui. Perfectionnement dans le milieu de travail, engagement communautaire, développement de ses talents artistiques, linguistiques, informatiques, acquérir des compétences culinaires, de gestionnaire, en sport d'hiver, apprentissage en ligne, aller à l'école, obtenir un diplôme, trouver un nouveau travail. Il y a mille et une façons d'apprendre. Puis apprendre, ça vaut le coup, c'est sûr. Je veux rien savoir, franchement. Du 20 au 26 mars, découvrez la Semaine québécoise des adultes en formation. Le projet en cours, c'est la mise en valeur de la réserve naturelle des Montagnes Vertes. C'est un territoire qui est très grand. On y retrouve près de 5000 hectares, ce qui en fait le plus grand territoire privé protégé à l'est de la Saskatchewan. Il y a d'abord eu une grande mobilisation d'un paquet d'intervenants pour arriver à appliquer un statut de conservation sur ce territoire-là, de la municipalité aux organismes de conservation, à la population. S'il n'y avait pas eu le soutien de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, je pense pas qu'on aurait pu aller de l'avant avec le projet. Orignal, cerf de Virginie, ours noir,
coyote, lynx roux. On a beaucoup de rapaces, la chouette rayée, le grand-duc d'Amérique, la buse à queue rousse et la buse à épaulette. On retrouve une trentaine d'écosystèmes différents, que ce soit des forêts alpines, milieux humides, de forêts mixtes. Comme le dit le statut, c'est une réserve naturelle, elle est protégée à tout jamais. Vous avez une plume qui est quand même assez jolie. D'ailleurs, vous avez reçu le Grand Prix littéraire Archambault. Oui, j'étais finaliste au Grand Prix littéraire tout récemment. Oui, en 2008. Et j'aimerais que vous nous lisiez peut-être un passage de votre premier livre avant de passer dans les autres univers, continents, parce qu'on en a beaucoup à raconter. Donc, vous aviez choisi un passage que je trouvais vraiment très, très joliment écrit, puis je pense qu'il traduit un petit peu le sens de votre quête. Bien, merci. C'est ça, juste pour le remettre en contexte. Donc, c'est mon premier livre. J'avais 22 ans, puis c'était une soirée, justement, de fête, mais tous mes colocataires devaient aller se coucher très tôt. Donc, moi, j'ai décidé de partir. Donc, voici l'extrait. Tel des amants, les lits attirent les corps fatigués, mais le mien n'a pas encore eu sa dose suffisante de vie pour aujourd'hui. En plus, je suis en congé demain. Devant le silence et la monotonie d'un appartement vide d'après-fête et la mélancolie qui s'y niche, je décampe seul vers les étoiles. J'aimerais vaincre cette solitude grâce à la compagnie de Jazzy, mais les fins de semaine sont nos seuls moments communs. Je marche dans la nuit sur un tronçon de route que les cartes appellent la 1A, mais elle porte aussi le nom de Great Divide. C'est la ligne de partage des eaux. Les gouttes de pluie qui tombent à ma gauche trouveront leur chemin jusqu'à l'océan Pacifique. Celles qui tombent à ma droite se rendront jusqu'à l'Atlantique. Une infime distance décide de la direction et de l'aboutissement de ces gouttelettes, des milliers de kilomètres qu'elles parcourront. Un simple coup de vent de dernière seconde et leur sort change complètement. Mais peu importe de quel côté elles se dirigeront, elles vont apporter la vie. Pourquoi s'inquiéter de notre destinée? Planifier et fonder ses espoirs sur quelque chose d'aussi incertain que le futur est une entreprise vouée à l'échec, car tout changement inattendu, si petit soit-il, éliminera certaines des attentes. La déception ne se trouve pas dans le futur, mais bien dans nos espoirs par rapport à celui-ci. Seul le présent importe. Un présent merveilleux est synonyme d'un futur merveilleux, car le futur devient immanquablement le présent. Maintenant est le seul moment qui compte. Ça me rappelle un passage de L'Alchimiste où un homme avoue que le rêve de sa vie est de voir la Mecque, mais qu'il ne s'y rendra jamais de peur d'en être déçu. C'est vraiment étonnant parce qu'en fait, votre premier livre annonce déjà la quête spirituelle, davantage spirituelle, que vous allez découvrir dans les pays lointains comme l'Inde. Oui, c'est intéressant. C'est sûr que j'y pensais pas avant que vous me posiez la question, en fait. Mais oui, j'avoue, c'est les prémices de ma quête. Je pense que ce voyage-là m'a vraiment ouvert les horizons. Oui. Puis m'a permis de me découvrir moi-même beaucoup. On dit qu'on voyage à l'étranger pour découvrir les autres, mais souvent, on se découvre soi-même de plus. Alors, le livre suivant, c'était lequel? La Terre des Hommes Intègres, justement, à la suite... La Terre des Hommes Intègres. Oui, La Terre des Hommes Intègres, je dois bien le prononcer. Justement, à la suite de ce voyage-là, dans l'Ouest canadien, je suis revenu. Là, je comprenais que j'aimais l'écriture, que je voulais en vivre. Je me suis fait engager dans une compagnie de publicité comme concepteur-rédacteur, mais encore là, je me suis rebuté très rapidement à des valeurs qui n'étaient pas les miennes par rapport au travail. En tout cas, le monde de la publicité, on sait c'est quoi. Donc, dans mes temps libres, j'appliquais sur beaucoup d'autres postes, d'autres projets, tout ça. Et à un moment donné, à mon bureau, on m'a appelé. On m'a dit « Ah, ben, t'as été sélectionné pour partir pour Ouagadougou ». Là, je suis à Ouaga quoi? C'est où, ça? Exactement. Finalement, c'était un stage de coopération internationale pour faire du théâtre avec des jeunes de la rue. Donc moi, je m'étais dit, bon, du théâtre, il y a de l'écriture, il y a de la création, je vais essayer ça. Puis moi, l'Afrique, pour moi, bon, ben, je connaissais le continent, mais je connaissais pas les particularités entre les pays. Donc le Gabon, le Ghana, le Burkina Faso, j'appliquais. Et en faisant la recherche, c'est là que j'ai découvert que le Burkina Faso... à l'époque, sur 174 pays classés par l'indice de développement humain, il était 172e. Donc, j'ai compris que ça allait être assez pauvre. Mais ça a été une expérience très enrichissante. Et finalement, grâce à cette expérience-là, j'ai travaillé avec des nomades, des Touaregs du désert du Sahara. J'ai vécu un petit peu avec eux. Et ils m'ont partagé leur mode de vie. Donc, le premier livre était vraiment comme un journal intime par rapport à mes réflexions, mon expérience. Mais mon livre sur le Burkina Faso, c'est vraiment... le contexte qui prend le dessus, parce que j'étais en Afrique noire, j'étais dans le désert, tout était différent. Donc, je ne pouvais plus seulement écrire, je m'en vais à la guinguette du coin prendre une bière, je devais décrire toute l'ambiance. Vous étiez passé à une autre étape. Oui, exactement. Ouais. Et
j'ai compris pendant le voyage que je voulais écrire un livre là-dessus parce que ce qui m'entourait, je trouvais ça phénoménal. Donc, à toutes les fois qu'on avait une rencontre ou qu'il se passait quelque chose, je sortais un petit papier puis un bout de crayon. C'était plus fort que vous, quoi. Et ouais, c'est plus fort que moi. Puis j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'écrivais, les conversations se coupaient, les gens arrêtaient, me regardaient. C'est pas quelque chose qui est courant chez eux. Exactement. Ouais. C'est que le au Burkina Faso, c'est beaucoup la tradition orale qui prend le dessus. L'écriture est pas très répandue. C'est beaucoup des conteurs, oui, des griots. Donc, il me demandait, mais pourquoi t'écris? Je disais, pour m'en souvenir. Il dit, mais pourquoi tu fais pas seulement t'en souvenir? Ah oui. C'est vrai. Donc, c'est des petites adaptations culturelles comme ça, moi, qui m'ont charmé. Puis qui, leur philosophie de la vie, hein. Moi aussi, j'avais des préjugés, là, avant d'aller en Afrique. Je me disais, les émissions Vision mondiale, oui, avec les jeunes pauvres et tout ça. Mais finalement, je me suis rendu compte en allant là que sûrement les jeunes, tu sais, même si c'est un village assez pauvre, quand il y a une équipe de tournage qui arrive sur place, là, c'est sûr que c'est la fête, puis tout le monde danse, puis qu'ils partagent leur repas. Là. Le bonheur et le confort matériel sont deux. Ça, c'est des choses que j'ai découvert en voyage, puis qui m'ont expulsé du monde. Justement, moi, je venais du monde de la publicité où qui disait que le bonheur, c'était le monde matériel. Donc, ça m'a apporté un grand choc, puis ça m'a permis d'écrire mon livre. Ouais. Et après cette expérience-là, est-ce que vous avez fait encore une tentative de vous insérer à nouveau dans le milieu de la publicité ou des communications au Québec? Non, la piqûre du voyage était prise, vous êtes devenu globe-trotteur, c'est ça? Oui, en ayant peu de dépenses, j'avais besoin de peu de revenus, donc je pouvais me le permettre. Puis le voyage après, je suis parti en Asie du Sud-Est. Donc, je suis parti 5 mois en Thaïlande, Malaisie, Laos, Cambodge, Vietnam, Chine, et je suis rentré au Tibet illégalement, donc j'en parlerai pas à la télé. Mais, mais comment vous avez fait? Parce que ça prend quand même certains moyens, même si on voyage de façon très modeste. Ça très prend quand modeste. Même beaucoup de sous pour faire ces grands voyages-là, non? Oui, mais il y a des. C'est le billet d'avion, en fait, détruit le budget, mais une fois sur place, c'est facile de manger. Moi, je mange à même la rue, les petits commerces et tout ça. Les hôtels, c'est très, très peu dispendieux. Ça me revenait peut-être à 5-10 $ par jour. Et en échange, j'enseignais l'anglais. Moi, je parle quand même relativement bien l'anglais. Après Vancouver... Oui, c'est ça, Vancouver, ça m'a permis ça. Et là-bas, les Asiatiques sont très friands de l'anglais, mais ils veulent apprendre l'anglais américain. Ils veulent pas apprendre l'anglais de Grande-Bretagne. Donc, les gens sont prêts à... Là, vu que je venais d'Amérique du Nord, puis ils savaient pas nécessairement que j'étais québécois. Jugé comme ça. Oh, ah, mais ils veulent l'accent. C'est drôle. Alors, j'étais payé par des gens ou des jeunes qui prenaient un thé avec moi et me jasaient, puis eux me rémunéraient. Ça payait mes dépenses. C'est sûr que le fait que j'avais travaillé en publicité, j'avais mis un petit peu d'argent de côté aussi pour le billet d'avion, mais sur place, ça m'a couvert mes dépenses. Et pendant ce voyage-là, j'ai appris que j'ai eu une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec, ce qui a vraiment aidé à éliminer toutes mes dettes d'un coup. Oui, c'est ça. Mais votre petit côté communication est quand même doté aussi d'un petit côté homme d'affaires, on peut dire. Ouais, parce c'est sûr. En sortez très bien quand même. Oui, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé de toucher aux relations de presse. En fait, au lieu de travailler avec mes capacités pour d'autres personnes, je les ai mis à mon bénéfice. Donc, j'organisais moi-même mes lancements de livres, mes relations de presse. Parce qu'en dehors de la vie folle... dans les autres continents, vous êtes quand même capable de vous organiser et puis de faire bonifier, fructifier ce que vous avez fait, en fait. C'est sûr que, comme par exemple, au niveau des demandes de financement, puis tout ça, il faut une certaine discipline, mais ça vient quand même de soi, dans le sens que moi, j'ai tenté mon expérience, mais je n'avais pas mis mes œufs dans ce panier-là. Non. J'étais surpris de la réponse et tout ça. J'étais capable de me débrouiller. C'est ça, mais vous aviez lancé vos cannes à pêche. Ça ne mord pas, mais ça prend quand même un peu un esprit organisé pour faire ça. Ce ne sont pas tous les artistes ou les écrivains qui font ça. Non, mais ce que j'ai appris en voyage beaucoup, c'est que quand on lance la ligne, souvent, il y a quelque chose qui revient. Puis même si on lance 10 fois la ligne, puis 9 fois sur 10, il n'y a rien qui revient, la fois qu'on va avoir un poisson, il va être très, très bon, même s'il est petit. Donc, un peu de ténacité quand même. Hein? Un peu de ténacité. Ça doit vous caractériser, ça. Oui. Mesdames et messieurs, de retour dans quelques instants à l'émission Au cœur des lettres. Je suis allé visiter des tunnels où les Vietcong ont vécu pendant 10 ans, pendant qu'ils se faisaient bombarder par les Américains et tout ça. Laurent choisit de ne pas poster sa déclaration de revenus. Il n'a donc pas acheté de timbre ni usé l'encre de son imprimante. À la place, il a enfin enlevé ses décorations de Noël, s'est fait pousser la moustache et s'est initié à la danse sociale. Et si Laurent a eu le temps de faire tout ça, c'est qu'il a transmis sa déclaration de revenus en utilisant ImpôtNet Québec. Efficace et sécuritaire, ImpôtNet Québec lui permet de recevoir le remboursement auquel il a droit plus rapidement, surtout s'il est effectué par dépôt direct. Gagnez du temps. Visitez revenu.gouv.qc.ca. Tu veux faire bouger le monde? Échafauder de grands projets.
T'es fasciné par les théories du chaos? Toujours à l'écoute des autres? Tu sais précisément ce que tu veux. Ou un peu moins. Pour trouver un métier d'avenir qui rejoint tes passions, visite toutpourreussir.com. Salut. Tu vois, ça paraît pas. Je voulais que tu me revoies. Parce que même si ça fait 32 ans, 6 mois et une semaine, moi, ton visage, quand tu m'as agressé, je ne l'ai jamais oublié. On peut vous aider. Je voulais me distancer un peu des récits de voyage. Je voulais pas nécessairement devenir tout le temps le personnage principal. Donc, j'ai décidé d'écrire un roman de fiction aussi. Parce que ce que j'ai été beaucoup influencé en Asie du Sud-Est par la révolution culturelle en Chine, la guerre du Vietnam, les Khmers rouges au Cambodge, que je connaissais très peu ou pas. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur place. Je suis allé visiter des tunnels où les Vietcong ont vécu pendant 10 ans, pendant qu'ils se faisaient bombarder par les Américains et tout ça. Et j'ai écrit un livre qui se déroule dans les années 70, mettant en scène un Chinois. C'est lequel, celui-là? C'est Zhao Li, oui. Zhao Li. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, mon livre sur l'Asie, c'est un livre double. Oui, j'ai vu ça, donc on peut l'ouvrir des deux côtés. Exactement. C'est original, non? Oui, puis le titre, Zhao Li. Oui, c'est ça, ça veut dire quoi? Qui signifie la quête du bonheur en mandarin. Puis moi, dans ce livre-là, dans le fond, j'ai mis mon récit de voyage, donc mon voyage dans ces pays-là, et cette espèce de fiction historique-là d'un personnage qui se retrouve aux prises avec la guerre du Vietnam, qui évolue dans les mêmes pays, mais 30 ans plus tôt, dans les années 70. Et je trouvais que le titre se collait bien, parce que moi, quand je voyage, c'est un petit peu une quête du bonheur. Ouais. Et le personnage, en fait, ce que ça m'a fait réaliser, c'est qu'être né... Nous, on est né à la bonne place, au bon moment, dans le sens qu'on bénéficie d'un environnement très facile et qu'on faut en profiter. Mais si moi, je tenais au Vietnam durant les années 70, j'aurais... quoi ma quête du bonheur? C'est ça, j'aurais un fusil à la main, il faudrait que je me... Donc votre personnage, c'est sa quête du bonheur à lui? Oui, en fait, vu les circonstances, sa quête devient principalement la survie pendant une bonne partie. Mais c'est une espèce de quête du bonheur, parce que je pense qu'à la base, tous les humains, c'est leur quête primordiale. Malheureusement, le contexte est souvent plus difficile que ici. Est-ce que vous avez fait beaucoup d'entrevues avec ouais, les gens du coin? Hein? J'ai visité beaucoup de musées, des endroits et des personnes qui sont pas nécessairement âgées, hein, parce que ça s'est déroulé dans les années 70. Ouais. Donc, même des personnes de 50 ans ont participé activement. Et ce qui est intéressant, c'est que justement au Vietnam, c'est une ancienne colonie française, donc souvent les personnes âgées parlent français, ils sont heureux de le pratiquer, ouais, parce que la nouvelle génération apprend l'anglais. Les anciennes colonies françaises, le français malheureusement perd sa place comme langue importante. Là, on l'a peut-être vu dans la cérémonie officielle des Jeux olympiques, là, sans rentrer dans les débats. Non, bien sûr. Mais le français malheureusement est en train de perdre un peu sa place au niveau international, mais les personnes âgées étaient heureux de me parler en français, alors ça participait à l'échange. Vous, dans vos récits de voyage, vous dites qu'il y a une faible frontière qui sépare la folie de la spiritualité, puis... Et de la créativité, oui, exactement. Ça m'a... Est-ce que c'est ce que vous ressentez ici? Parce qu'en fait, là, vous êtes revenu... Ça fait combien de temps que vous êtes revenu d'un voyage, maintenant? Trop longtemps, toujours. Mais cet été, j'étais au Maroc. Oui. Et c'était pas nécessairement pour écrire. Là, je me suis dirigé un petit peu vers un autre médium, donc le vidéo, les ciné-conférences, les images... qui sont plus instantanées, parce que l'écriture d'un livre, ça va me prendre un an, deux ans avant qu'il sorte, tandis que la vidéo, deux semaines après, on peut avoir fait un montage et tout ça. C'est vrai. Mais par rapport à la limite avec la folie et la créativité, moi, j'ai trouvé beaucoup au niveau de la création, parce qu'évidemment, mon récit de voyage, j'essaie de l'écrire comme un roman, j'essaie d'apporter un contexte, et je frôlais beaucoup la créativité, et c'est ce qui m'a donné le goût d'écrire un roman de fiction complètement, me séparer des récits de voyage, aller vraiment dans mon imaginaire. Et c'est là où j'ai écrit mon roman « U ». C'est lui qui était un finaliste au Grand Prix littéraire Chambaud. Et là, je me suis laissé aller, en fait, parce que mes récits de voyage, il y a beaucoup de recherches qui accompagnent ça. Il y a aussi, il faut faire attention, parce qu'il y a un souci de vérité. Donc, si je parle du gouvernement ou historique, il faut quand même que ce soit appuyé. Là, j'ai dit, je veux perdre ce côté travail-là de l'écriture, aller dans la création pure. Est-ce que vous pensez que c'est un aboutissement naturel ou c'est simplement un genre qui vous a séduit? Bien, c'est un genre qui m'a séduit parce que
au début, c'était vraiment le voyage qui me séduisait. Puis j'essayais d'écrire parce que c'était le médium que je maniais le mieux. Et moi, mon but, c'était vraiment de partager ce que j'avais appris, partager ce que j'avais vécu. À force d'écrire, je pense que l'écriture, c'est un peu comme un muscle. On est capable de le développer, de l'améliorer quand même. Alors, vous écrivez toujours, même si vous n'êtes pas en voyage? Oh, j'essaie, mais... Vous essayez? Alors, j'essaie, c'est ouais. plus difficile. C'est plus difficile. J'avoue que j'écris jamais assez. Ouais. Alors, c'est pour ça que vous êtes lancé dans les ateliers, les conférences, ouais, c'est les ça. Expositions. Finalement, vous êtes un impatient. Actif. Un impatient actif et évidemment, il y a un côté financier à tout ouais. ça. Donc, les livres, malheureusement, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous nourrir au petit restaurant du coin en Inde. Exactement. C'est pas la même chose. Hein? Mais avec les. Dans le fond, tous les dérivés de mes voyages, donc mes photos de voyage, je fais des expositions, je fais des ciné-conférences, j'avais une télésérie sur mon voyage en Inde qui a été diffusée à la télévision. Vous animez une émission en radio à Radio Ville-Marie, c'est ça? À Radio Centre-Ville, oui. Centre-Ville, c'est ça. Vous occupez aussi d'une émission Canal Vox. Oui, ouais, exactement. C'est assez bien occupé quand même. Oui, j'essaie d'être occupé. Est-ce que vous avez d'autres projets de voyage? Oui, mais je ne sais pas où exactement. Parce que, en fait, mon dernier grand voyage était en Inde. Ouais. Et en Inde, je suis passé 4 mois. Et l'Inde, ça faisait longtemps que je me le gardais, comme on dit, comme la cerise sur le sundae. Parce Il paraît qu'on en revient transformé. Ah oh, oui, c'est ça. C'est tellement. C'est pas un autre pays, c'est un autre univers. C'est comme si on arrivait sur une autre planète complètement. Ouais. Et les valeurs, la spiritualité, c'est tellement englobant, puis c'est tellement différent que j'ai de la misère à concevoir. Quel est le prochain voyage qui va arriver à dépasser ça en termes de dépaysement et tout ça, et d'enrichissement surtout. Mais l'Inde, c'est le sujet de mon prochain livre. Là, je suis en train de l'écrire depuis 2 ans. Est-ce que ça va être un roman? C'est un roman, mais inspiré de mon voyage. Exactement. De faits réels. De faits réels. Donc, c'est plus moi le personnage. C'est pas le centre de l'univers. Non, c'est plus moi le centre de l'univers. Mais c'est très. C'est spécial parce que c'est la première fois que je me lance dans un livre qui va être aussi spirituel. Parce que l'Inde, c'est spirituel. La religion est partout. On arrive à l'aéroport, il y a un hôtel avec de l'encens. Ouais, on arrive dans le taxi, il y a les c'est dieux. C'est omniprésent, quoi. C'est très omniprésent, vous avez donc ça déteint dans le livre. Le temps de comprendre un peu. La religion hindouiste, c'est les très différences très compliqué. Entre les. Ouais. Il y a 33 millions de dieux, ouais. 33 millions. De divinité, donc c'est très difficile. Les castes et tout, on n'en sort pas quoi. J'ai comme compris un petit peu ce qui sous-entend cette religion-là qui est très belle, mais qui est très difficile à saisir du premier abord. Mais on voit les vaches sacrées un peu partout, puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Vous me disiez aussi que le plus facile pour vous, c'est créer des histoires, ouais. même si c'est pas toujours. Mais c'est ça, c'est que les gens souvent pensent que l'écriture, c'est facile parce qu'on on écrit, c'est facile, tu publies des livres. Puis là, même maintenant, il y a des logiciels audio, hein, on parle, ça écrit. Donc, il y a des livres qui ont sorti comment écrire un roman en 30 jours. Puis c'est... Mais ce qui est facile, ben, pour moi, c'est d'imaginer l'histoire puis d'écrire peut-être le premier jet. Mais les gens ne perçoivent pas que l'écriture, c'est tellement de relecture, tellement de travail, faut tellement apporter du temps à notre œuvre que c'est un travail aussi dur que n'importe quel, même si non plus. Moi, je ne me suis jamais autant impliqué dans un travail que dans mes livres. Mm. Pourtant, mes livres, je les écris, je suis rémunéré moins que le salaire minimum au Guatemala pour mes livres. Oui, mais vous avez la passion. Oui, c'est ça, la passion, ça va. On la sent. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, pour le restant de votre métier d'écrivain, de globe-trotteur engagé, d'homme d'affaires, conférencier. Je ne sais pas. Je suis sûre que vous allez nous réserver encore d'autres surprises. Je l'espère. Au cours des prochaines années. Des surprises qui me surprendront moi-même. Voilà, c'est ça. Finalement, la vie, c'est comme une quête par étapes. Hein? À un moment donné, on arrive sur un plateau, puis quelque chose d'autre arrive plus loin. Et voilà. Alors, Ugo Monticone, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au cœur des lettres. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous invite à une excellente semaine de lecture. Découvrez tous nos auteurs et à très bientôt. A été rendue possible grâce à la collaboration du gîte au Ruisseau Enchanté, situé au 105 chemin du Rancette à Mont-Tremblant, au téléphone 819-425-7265.
À la recherche d'un endroit paisible pour prendre un temps de repos, le gîte au Ruisseau Enchanté est l'endroit tout indiqué pour vivre un séjour inoubliable. 3 chambres confortables avec salle de bain privée et le petit déjeuner gastronomique vous convaincront de revenir. Le gîte au Ruisseau Enchanté de Mont-Tremblant.